vient de Georges Ibrahim Abdallah, qui est entamé il y a une semaine. Sa 31e année de détention. Il a été arrêté le 24 octobre 1984, condamné quelques années après, vous le savez, pour complicité d'assassinat d'un agent du Mossad et de l'attaché militaire de l'ambassade des États-Unis. Quoi qu'il en soit, son combat, qui est parfaitement exemplaire, et bon, j'y reviendrai, la position de la France aujourd'hui est de se soumettre à la volonté des États-Unis et d'Israël, puisque par la voix notamment des ministres américains, du directeur de la CIA, il a été ordonné à la France en quelque sorte d'une part qu'il soit condamné à perpétuité et d'autre part qu'il ne sorte jamais de sa prison, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est le plus ancien prisonnier politique d'Europe. Simple, en Israël et aux États-Unis, il y a des prisonniers palestiniens ou d'autres causes qui sont détenus depuis plus longtemps pour des motifs politiques, mais en Europe, tous les militants, qu'ils soient en Allemagne, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, ont fait des peines pour les mêmes condamnations au maximal de 24 années de prison. Et aujourd'hui, le gouvernement français, notamment par l'intermédiaire de ses services policiers, dans un rapport d'août 2014, ont indiqué que s'il y avait une libération de Georges Ibrahim Abdallah, ça déplairait et aux États-Unis et à Israël. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans l'attente, le 5 novembre prochain, d'une décision concernant sa libération sur des problèmes juridiques et où, malheureusement, même si nous avons gain de cause, il y aura un appel du parquet. Madame Taubira nous disant que le parquet est indépendant, qu'elle ne donne aucune instruction, ce qui est évidemment une honte totale. Et vous avez Georges Ibrahim Abdallah, qui est un militant constant, dont le combat pour la Palestine a depuis 1978, première invasion du Liban par Israël, où il a été blessé comme membre du FPLP, et où il a estimé, avec d'autres, qu'il convenait de porter la résistance au-delà du territoire libanais ou du Moyen-Orient, à savoir en Europe. Aujourd'hui, avec ces mots, je vais vous lire quelques mots de Georges Ibrahim Abdallah, qu'il n'a pas fait spécialement pour aujourd'hui, puisque c'est difficile de communiquer, mais qu'il a adressé aux militants qui étaient présents autour de la prison la semaine dernière, 24 octobre 2014, pour le 30e anniversaire. Alors, je vais vous lire, non pas tout le communiqué, puisque celui-ci est assez long, mais simplement, je dirais, les slogans par lesquels il termine, puisque son engagement est constant pour la Palestine, pour également une révolution, puisque Georges Ibrahim Abdallah se considère comme un militant communiste pro-palestinien, et vous verrez que son texte est parfaitement clair en ce qu'il indique et ce qu'il a indiqué à ses militants, à bas l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires arabes, honneur aux martyrs et aux masses populaires en lutte, la solidarité, toute la solidarité avec la lutte des peuples palestiniens et des résistants incarcérés. C'est son combat et aujourd'hui, en tant que militant pro-palestinien en prison depuis plus de 30 années, son intégrité intellectuelle est intacte, son courage révolutionnaire est intact et son soutien auprès des peuples martyrs est intact et il apporte effectivement son soutien et il n'attend qu'une chose, c'est évidemment de retourner au Liban. Et les États-Unis, encore une fois, par la voix de l'Amérique, qui est un avocat, qui est un ancien ministre socialiste, s'est opposé le 30 septembre dernier à sa libération au nom des États-Unis d'Amérique, puisqu'il se présente comme l'avocat des États-Unis d'Amérique. Donc voilà où nous en sommes. La France est le seul pays à se soumettre à un dictat aussi puissant, puisque même en Allemagne, où un diplomate américain avait été tué, les autorités allemandes ont libéré le militant qui avait été condamné pour ceci. Mais en France, manifestement, toujours après 30 ans, on ne voit pas d'issue puisque la France se soumet aux autorités américaines. Nous sommes avec toi au cœur de ton combat. Nos cœurs et nos forces battent à l'unisson avec ton combat. Vive ta résistance, nous la suivons de très très près, aussi bien tous ceux qui souffrent, les mal logés, les sans logis, les sans papiers, tous ceux qui sont opprimés par ce système capitaliste, et sache que nous sommes profondément avec toi, dans ta trace. Vive ton combat. Merci. Notre liberté de morale complète sans ta liberté, Georges. Il est difficile d'adresser une salutation à quelqu'un qu'on n'a jamais salué directement, mais on
cher Jean, je te connais à travers tes écrits, à travers les écrits de tes amis, et je me sens infiniment proche de toi. J'ai eu récemment l'occasion de travailler un peu sur la question carcérale à propos de nos amis palestiniens. Et j'en ai rencontré un certain nombre qui, heureusement, ont été libérés, parfois après plusieurs dizaines d'années. Et je dois dire que j'ai honte d'être français, d'appartenir à ce pays qui se conduit d'une manière aussi inhumaine. Yamidji, retrouver libre. Pourquoi pas au Liban? J'étais au Liban au mois de septembre dernier dans les camps de réfugiés. Ce serait avec une très grande joie de te retrouver là-bas. À bientôt. So, George, my name's Michael Rabb. I'm from Boulder, Colorado, USA. I stand in solidarity with you. We are hoping and in solidarity for your freedom, and wish you the best. Thank you. Thank you for all your work. Bonjour Georges, je m'appelle Claire. Donc ce message pour te dire qu'on pense à toi et qu'on espère que tu sortiras à un de ces quatre quand même. Plein de bonnes choses depuis la journée Free Palestine aujourd'hui qui est au Dock de Paris, à côté de Paris là, où il y a un stand pour toi, c'est vraiment super. Et puis voilà, à bientôt, j'espère que je viendrai te voir et peut-être quand même dehors plutôt. Hein. Alors, post-scriptum. Alors, Georges, j'avais oublié de te dire, en plus, je manifestais déjà pour ta libération quand j'étais môme. J'aimerais bien ne pas faire ça juste à ma retraite. À bientôt. Bonjour, Georges. Nous avons vu beaucoup et nous avons vu beaucoup de choses. Et nous avons vu beaucoup de choses qui nous ont fait sur ce qui se passe avec toi. Inch'Allah, dans cette période arrivée, tu reviens à ta famille, dans le Liban. أمين يا رب نحن معك أنا لبنانية طبعا عرفتني يلا خليك قوي Un petit message pour toi notre ami notre camarade notre frère Georges on pense beaucoup à toi on pense très fort à toi et on espère pouvoir très vite te retrouver au grand air à l'air libre et pouvoir continuer le combat avec toi dehors. Voilà, on pense à toi très fort et on continue, on lâche rien avec toi. George, انا لميا صفي الدين من الجنوب من سور. انا معك يا جورج. يلا الله يقويك انا احنا كثير معك. والقضية مهمة وانت فخرنا لنا. بدنا اياك حر. فلسطين حرة. لبنان حرة. قادرين. نشوفك قريبا جورج انا لم يصفي الدين انا من سور انا معك فالله يقويك دلك صامد نحن دايما انت بالفكر بالبال فلسطين حره لبنان حر قسمنا عن الدنيا يلا جورج ان شاء الله نشوفك قريبا